Alpha Condé, en visite à Paris, le président guinéen et actuel numéro 1 de l'Union africaine a été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron, 5 jours avant la tournée du président français sur le continent. Bien entendu, le dossier des migrants en Libye a été évoqué et Alpha Condé ne mâche pas ses mots, il pointe la responsabilité de l'Union européenne. Je pense qu'il faut d'abord établir la responsabilité. La Libye, il n'y a pas de gouvernement. Donc nous pensons que l'Union européenne ne peut pas choisir un pays où il n'y a pas de gouvernement pour demander à ce pays de retenir des réfugiés alors qu'il n'y a aucun moyen. On sait qu'en Libye, il n'y a pas de moyen. Donc les réfugiés étaient dans des conditions extrêmement graves, presque, puisque la Libye n'avait pas les moyens. Donc je pense qu'avant de voir les conséquences, il faut voir la cause. Nous pensons que nos amis de l'Union européenne n'ont pas eu raison de demander à la Libye de garder les immigrés parce qu'il n'y avait pas de gouvernement, il n'y avait pas de moyens. C'était de maintenir dans des conditions extrêmement difficiles.